Aslama, c'est Mahdine Arwa de Paintball Tunisie. On est les pionniers de Paintball et les premiers fondateurs de Paintball Business Fitons, venant de l'Afrique aussi. On a commencé en 2007 et depuis on a bien évolué pour les différents terrains. Donc les terrains, on a de Bizerte, après Tunis, exactement dans le parc Nahli. Prochainement, on aura Gamert. Et après, il y a Hammamet, Sous, Tozor, Sahara Lounge et Djerba, bien sûr. On a un terrain qu'on le prépare prochainement, c'est Tabarka au niveau du golf, où j'invite tout le monde à y jouer. Donc voilà. Donc, chaque jour, à les événements qui vont prendre lieu, les événements, les tournois. Voilà. Le tournoi, il consiste à un match. Professionnel, c'est un tournoi professionnel, c'est entre 24 équipes. Chaque équipe elle est composée de 5 personnes, 5 joueurs. Bien sûr, les éliminatoires, la première phase, après le quart de finale, demi-finale, ainsi de suite, donc la finale. Le terrain c'est un terrain gazonné, c'est l'annexe du terrain de football d'Almanza, donc c'est un terrain déjà hadr. Les obstacles gonflables, c'est des obstacles professionnels qu'on va installer. Le matériel, c'est ça, c'est la nouveauté. Donc là, c'est un matériel électronique. Donc ça tire à rafale pour celui qui connaît ce que ça veut dire un matériel pro-pro. Donc le matériel, c'est pro, mais les joueurs, Inch'Allah, ils vont devenir des pros. On va sélectionner parmi l'équipe gagnante, elle va nous représenter le ballon. Bien sûr, il y aura avec les sponsors des cadeaux. Ou le cadeau de Paintball Tunisie, ce sera pour l'équipe gagnante. Ils auront leur matériel, le matos professionnel, les petits alarobis. Mais c'est pas avec le matériel des petits alarobis, c'est d'autres matériaux. Voilà. Sinon, autre nouveauté, il y en a, Baad Ramadan, on va organiser la plus grande World Games, c'est 300 personnes au niveau de la forêt Rimel. Donc voilà. Mais le matériel, c'est pas avec les larmes Nabi Iqbal, c'est avec des trucs similables, avec visière Red Dot et réplique exacte des MR. Les combinaisons, c'est du camouflage et tout ça. Donc, on a eu toutes les autorisations. Là, on peut appliquer notre wall game, la petite wall game sympathique, et que on peut intégrer faire à plus que 300 personnes. Voilà. Donc, je vous invite Nesselkol à s'inscrire via cette magazine. Voilà. Merci à tout le monde. Et on vous attend, donc. Okay.